De retour, nous Jabs. Alors, c'est parti. Alors, attends, on va voir les récompenses Ubisoft Club. Attends, c'était dans Récompense Club. Ah, bah voilà, mort au canard. Ah, j'ai pas assez d'unités pour la débloquer. Mais je peux débloquer ça à l'arcade extérieure. Un passage voûté sous lequel les amoureux aiment passer au crépuscule. Voilà. Et comment je fais pour avoir plus de trucs? Terminer la campagne en difficulté experte, organiser une exposition, disputer une partie multijoueur, terminer 20 quêtes de résident de l'anarchiste, passer une alliance avec le docteur Hugo Mercier. Ok. Terminer l'arc principal, battre le docteur Hugo Mercier, l'anarchiste. Ah ouais, mais si j'ai pas envie de me battre. Moi, j'ai pas envie de me battre, hein. Bon, on verra tout à la fin du jeu. Une fois qu'on aura tout fait, et qu'on aura plein de bateaux, et qu'on aura tout fait. C'est parti. Merci, Bench. Alors là, le focus, c'est sur le Cap Trelawney. Là, j'essaye de finir l'exposition universelle au Cap Trelawney. C'est mon objectif du jour. Comme c'était l'objectif des derniers jours, des derniers streams précédents également. Puisque sur Azria City, tout est plus ou moins fait déjà. Je suis en train de penser à un truc, c'est à l'électricité au Cap Trelawney. Tiens, bah attends, du coup j'ai mon bateau qui est là. Oh, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, attendez, il y a des trésors par là-bas. On va chercher des trésors. Sinon, Cap Trelawney, du coup, c'est ici. Donc la maison, enfin, tout est bien avancé. Et du coup, pour faire la dernière construction de la phase universelle, il me manque le caoutchouc et c'est tout. Je vais faire commencer la phase. Déjà. Et puis le caoutchouc, il arrivera quand il arrivera. Normalement, le caoutchouc. Azri Palace, Azri Capitale. Azri Palace, Azri Capitale. J'en ai 2 fois 80 qui sont censés arriver. Et je crois que j'y suis là aussi, non? Non, nouveau monde, ancien monde. Est-ce que j'ai suffisamment d'influence sinon? Non, j'ai pas assez d'influence pour faire une route d'affrètement. Alors, il est parti où mon récupérateur? Il est là. Ok, j'avance par ici. Alors, c'est vrai que du coup. Il y a des trucs très sympas à crafter chez le vieux Nate. Alors, par où c'est? C'est par là-haut. Ça va être par ici. C'est ici. Un virtuose est présent parmi nous. Accepté. Ça s'accepte tous. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On n'a rien trouvé, on plonge. Oh, je sens que j'ai avoir les yeux qui vont déconner encore aujourd'hui, là. Cet après-midi. De la ferraille utile, ok, bon. Moi, je vais aller me balader un peu par là. Dans la zone sombre. Alors, du coup, par ici. Le caoutchouc. Ah, mais je suis à moins 4 d'influence.
Ah, et en plus, j'ai une émeute. Ah non, j'ai une maladie. Mais attends, j'ai un hôpital, je peux mobiliser. Attends, j'ai un hôpital ici et j'ai des hôpitaux partout. C'est bon. Tout là, j'ai de l'électricité aussi. Attends, non, ça c'est l'hôpital. L'électricité, faut que je regarde. Alors là, il me manque des ressources, c'est le caoutchouc. Pour les grands bis. La cimenterie et les blindés. Là aussi, c'est pour l'usine de grand bis. Ah, mais j'en ai fait deux, du coup, d'usine de grand bis. Bon, il y en a une que je vais arrêter. Alors, attends. Charbonnière à trait négatif, moins 100%. Ouais, mais j'ai pas de charbonnière. Donc, ça sert à rien. Ça me sert à rien. Du coup, ouais, l'électricité... Alors, centrale pétrolière, donc c'est là, j'ai encore pas mal de place pour des bâtiments. Je pense que je vais faire une route par là. Et une route par là. Et on verra ce que je peux mettre ici. Je pense que je vais faire une autre route en fait. Ici. Et je vais mettre de la déco. Alors, le journal, est-ce que je valide? L'expo universelle à l'arrêt. Pénurie de café à Azria Capitale. Pénurie de café à Azria Capitale. Alors, attends. Est-ce que dans l'ancien monde, j'ai assez de café? Vous ne faites que porter le message. Dirigez sagement et vous n'aurez jamais rien. Non, j'ai pas assez de café ici. Alors, au Nouveau Monde. Regardons ici. Ah bah attends, elle a du caoutchouc à vendre. Attends, je vais prendre un bateau, je vais aller lui acheter son caoutchouc. Créer une route. Non, non, non. Alors, attends. Ondine. Clipper. Elle est où? C'est ici, je crois. Caoutchouc 392, accepté. Et Cap Trelawney. Cliquez pour décharger. Accepté. Ok, ça c'est fait. Faut juste que je trouve le bateau Ondine. Je sais pas où il est. Ouais, il y a un petit problème au niveau des bateaux là. C'est un petit peu le bordel. Merlin, African Queen, Ariel, Ondine, le voilà. Ok. Donc lui, normalement, il va vers le Nouveau Monde. Faut juste que je vire ça par-dessus bord. Et ça devrait le faire. Ok. Ensuite, Cap Trelawney. On retourne au récupérateur. Alors, est-ce qu'on trouve quelque chose? Est-ce qu'on veut livrer votre cargaison? Oui, 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 on livre la cargaison. Alors, attends, parce que là, tout là, il y a du brouillard aussi. Comme ça, je prends bien la vision. Ok, pour le caoutchouc, ça va être bon. Je mettrais bien des petits... Attends, je ferais bien un petit parc ici, là. Avec une fontaine. Une fontaine comme ça. Avec une route comme ça.
et du coup des petits arbres en bosquet tempéré comme ceci. Voilà. On va refaire pareil de ce côté-là. Jusque-là. Là, faut que je fasse de l'acte déco. Alors déjà, je vais faire une route qui va passer comme ceci. Là, je vais faire une autre route comme ça. Je vais faire... une petite haie droite comme ceci. La même chose ici. Et je vais mettre des buissons entre les maisons ici. Et je vais mettre des jardinets là et là. Et je vais mettre des parterres de fleurs. Attends. Quoique si, c'est pas mal en fait de faire des petits arbres ici. Comme ça. Des petits arbres là. Avec des statues. Statues commémoratives. Une là. Et un mémorial. Non, après ça fait trop grand comme statue. Bon, sinon je mets 4 statues commémoratives. Ah, je suis con, j'ai cru que c'était le cabaret. Mais en fait c'est le truc pour faire la cave à champagne. Alors du coup, j'ai assez de raisins, j'ai assez de verre, tout va bien. Donc ça, c'est bon. Tout fonctionne à merveille. C'est correct. La moisissure sur les murs. Alors par contre, faut que je fasse de l'amélioration de maison. Donc toutes celles-ci, je vais les améliorer. Déjà. Toutes celles-ci aussi. Ensuite... il va nous falloir beaucoup d'investisseurs. Celle-ci, je pourrais les faire. On va prendre tout ça. Jusque-là. Hop, investisseurs en plus. Là, on va faire une petite route et un petit jardin. La production s'est arrêtée, mais la production va reprendre, donc on n'est pas inquiet, tout va bien. Place de la Fontaine. Alors j'en mets une comme ça, et je vais mettre des dallages. Ah, mais du coup, les labyrinthes végétaux, je suis pas obligée de les mettre. Je peux les mettre où je veux en fait. Je suis pas obligée de les mettre dans le jardin botanique. J'en avais mis 2 dans le jardin botanique, mais je suis pas obligée de les mettre là. Je peux les mettre partout. Attends, expédition botanique. Affecter un navire. Mais je crois que j'ai déjà une expédition en cours. Non, 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 non. On va lancer une expédition botanique. Ah, mais attends. Bonus d'expédition, il y a ça. Il est où le bateau, mon bateau d'expédition? Il est là. Alors attends, on va mettre ça. Ça, ça ira dans le musée. Donc, expédition botanique. On va en faire plein. Il nous faut de l'artisanat. Bah, on va prendre ça. Hein, avec un peu de champagne. Voilà. Lancer l'expédition. Voilà, voilà, voilà. Ça peut être la prise en charge, ouais. Ouais. Bah, ce qui m'aide, c'est surtout de voir que, en fait, tout le monde a des problèmes. Et c'est... je me dis que tout le monde, il a des soucis. C'est pas grave, c'est comme ça. Et... faut juste les régler petit à petit. Bon, attends, par contre, là, j'ai plus assez d'ingénieurs. J'ai plus assez d'ingénieurs. Où sont les maisons d'artisans? La production s'est arrêtée.
Les artisans sont ici. Qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque rien aux artisans là. Pour level up. Il leur faut juste un petit peu de temps. Je pourrais prendre ceci là. Ok, pour les artisans. Voilà. Alors attends, parce que je peux pas faire ici, parce que là, il manque une école. Alors je pourrais peut-être refaire une école par ici. Allez, on casse tout. On casse tout et on met une école. Ça rentre pas. Il faut que je casse un peu plus de route. Non mais c'est ça qui rentrait pas. Non mais en vrai ça doit rentrer. C'est juste ça là. Voilà. Faut que je fasse comme ça. C'est qui ce chat qui vient de gueuler là? Attends, je supprime l'arbre qui est là. Je supprime ça ici. Je refais une route par ici. Ça m'énerve parce que ça supprime pas tout d'un coup. Parfois t'es obligé de le refaire. Ok, une école. Donc là, tout là, je pourrais avoir des artisans. Voilà, donc là, on va avoir des ingénieurs en plus. Améliorer bâtiment. Ah, attends, on voit pas très bien la nuit ce que c'est. Artisan satisfait. Ça a l'air de bien se passer, hein. Du coup, j'ai récupéré un petit peu d'influence en plus. Du coup, mon expédition, elle est partie. Oxenfo fait entrer en guerre. Tout a l'air de bien se passer. Là, c'est quasiment fini aussi. Là, il me faut du coup que j'ai plus 5000 investisseurs, c'est chaud quand même. C'est très très chaud. Quand je vois tout ce qui manque. Lunettes, ampoules et tout, ça augmente. Après, ici, je laisse un petit peu tomber pour le moment. J'ai fait un peu le max que je peux. Maintenant, je me focus sur le Cap Trelawney. C'est pas facile d'y voir clair quand c'est la nuit. Là, c'est bientôt l'aube. S'est établi sur une île. Ah bah voilà, on a du caoutchouc, on a du filament, on a des ampoules qui sont en train d'arriver. Tout va bien. Donc je verrai après les quêtes de la reine une fois les constructions universelles faites. Je vais faire un petit peu de zoom pour les décos. Alors là c'est mon hôtel de ville, il est blindé. Celui-là, je vais m'en séparer. Ça, je vais m'en séparer, ça m'intéresse pas. Ça, je vais m'en séparer aussi. Ça, ça m'intéresse pas non plus.
Vas-y, je vais vendre des trucs. Ah, mais attends, j'avais tout ça aussi à mettre dans mon jardin botanique. En attendant... Les PNJ, du coup, il y avait lui, je voulais le vendre. Lui, je voulais le vendre. Elle, je voulais la vendre. Allez, on va aller jusqu'ici. On va regarder notre récupérateur. Faudrait que j'aille. Ah bah attends, il y a quelque chose par là. On va aller par ici. On va voir. Donc maintenant, on y va un peu plus clair. Alors, c'est ici que je voulais faire de la décoration. Alors. Donc. Là, je voudrais faire... Je vais faire deux clôtures, en fait. De chaque côté. Là, je pense que je vais faire la même chose. Merde. J'ai raté le bon sens du bisule. Dans ce sens-là. Hop, ok, ça c'est bon. Un petit parc du coup ici, ou est-ce qu'on fait des maisons? On va refaire un parc, hein, je pense. Ça sera mieux. Là, pareil. Alors, un petit parc avec une fontaine. Alors là, ça va pas être symétrique. Là, ça va être symétrique si on fait ça. On va mettre des bancs de grande place près de la fontaine ici. Et en fait, on va mettre des bancs de grande place ici également. Et on va mettre des dallages au milieu. Voilà. Alors là, il faudrait de la verdure. Donc de la verdure. Des bosquets de peupliers. Bosquets de peupliers ici. Et des jardins à maturité ici. Là, j'ai mon truc d'électricité. Hop. On va faire jardiner aussi. Là, j'ai l'église. Là, il me faudrait une promenade. Quoique, je pourrais faire clôture de ville, là, plutôt. Ce serait mieux. Ah, j'avais une quête avec Von Matching que j'ai pas réussi à faire. J'espère que cela sera utile. Je vais faire des dons. À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Parce que tout le monde sait que les pirates aiment les pièces d'or. Chaque petit rien peut faire la différence pour nous. On donne de la thune. Ok, là j'ai un trou, alors pareil, je vais faire une fontaine dans le coin. Ou alors sinon, je peux justement faire... comment dire... Justement faire... Ah, c'est pas symétrique. Sauf si... Sauf si je double la route de l'autre côté. Je peux faire un petit jardin... Hop, comme ça, ici. Et puis, je peux mettre des petits bosquets de peupliers de chaque côté. Voilà. C'est pas mal, comme ça. C'est pas mal du tout. Ok. Bon, bah, ça avance super bien. Ça avance super bien. Il faut juste que je fasse plus de baraques.
je pense. Là, j'ai mon musée. Là, j'ai mon zoo. Alors, attends. Du coup, les modules pour les animaux. Nécessite le voisinage d'un bâtiment. Ah oui, ça veut dire que je suis obligée de construire cela, hein, d'abord. Il y a juste par là où je peux. Bon, sinon, je peux faire quelque chose. Parce que des jardins botaniques, je peux en mettre plusieurs après tout. Je peux très bien faire un autre zoo, par exemple. Parce que j'ai un zoo ici. Un musée là. Mais je peux très bien faire... Je peux très bien faire un autre zoo par ici. Je sais pas. En fait, là, il faudrait que je fasse deux maisons. Pour que ce soit symétrique. Je pense que je vais tirer la route jusque là. Je pense que je vais faire comme ça. Je pense que je vais faire comme ça. Je pense que je vais rajouter des maisons par ici aussi. Deux et deux. Comme ça, en quinconce. C'est peut-être un petit peu bizarre. Si je fais une double route... Ça colle trop là. Je préfère faire quelque chose comme ça. Après, là ça va, j'ai suffisamment de travailleurs. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque surtout des ingénieurs. Donc ingénieurs. Donc des artisans, j'en ai 934. Donc tout ça, ça pourrait passer en maison d'ingénieur. Tout ça, ça pourrait passer en maison d'ingénieur aussi. Et tout ça ici également. Ensuite, il me faudrait du coup plus d'artisans. Alors là, j'avais prévu d'en faire de toute manière. Par contre, je pense que je vais faire des maisons par ici. RP. C'est quoi? Il y a un festival? On dirait qu'il y a un festival, mais il n'y a pas de festival. Qu'est-ce qui me manque là? Il manque des ouvriers maintenant. Faire comme ça. Et puis les ouvriers. Hop, je vais les faire ici. Donc là j'ai quoi? J'ai pas grand chose, hein. Je pourrais faire des maisons aussi par là. Hein. Donc peut-être pas le long du chemin de fer. Je peux peut-être faire une route. Hein. Comme ça. Ça c'est pas mal. Là ça peut être des maisons d'ouvriers aussi.
Là, j'ai la place aussi pour demain des maisons, mais ça risque de faire beaucoup. Je pense que je vais plutôt en mettre là. Je pense que je vais faire juste une de chaque côté. Et au centre, on va juste faire des jardinets. Comme ceci. Alors là, on va faire des arbres à maturité ici. On va faire également des arbres à maturité ici. Là aussi. Parce que la maison, elle est collée vraiment au chemin de fer, là. Je vais faire doubles arbres. Des doubles arbres, messieurs, dames. C'est pas facile d'y voir clair quand c'est la nuit. Effectivement, c'est pas facile. Surtout que j'ai les yeux un peu sensibles ces derniers jours, là. Mais bon... Je vais mettre des fleurs là, tout là. Et pareil, jardin à maturité ici. Enfin, bosquet de peupliers et jardin à maturité. Ça prend forme. Là par contre, ouais, on va mettre des peupliers. Comme ceci. Puis là, on va faire un petit espace. Ben, ce serait bien que mon expédition, je vois où elle en est. Jour en haute mer 13. Pénurie de marchandises. Ça avance bien. Ça avance bien ici. Partie sauvegardée. En fait, il faut que je fasse un maximum de maisons. Mais je compte pas en faire 50 000 non plus, quoi. Pardon, excusez-moi. Je vais faire l'exploitation des gisements de fer ici. Bon, j'ai déjà un entrepôt. Je vais faire quelques baraques par ici. On va faire quelques baraques juste au-dessus. Pourquoi je peux pas construire? Ah, j'ai plus de bois. J'ai plus de bois, ma gueule. J'ai tout dépensé. J'ai dépensé toutes les planches. Ok, je vais regarder où est mon récupérateur. Il est là. Ok, j'ai quelque chose par là-bas. Pourquoi Bente Jagensen a même parlé? Si je continue à jeter au feu les lettres lubriques de ces odieux personnages, il risque de venir en personne frapper à ma porte. Frémi, veuillez donc lui porter cette missive et dites-lui que sa proposition me flatte, mais que je ne saurais l'accepter. Mais au final, j'ai complètement oublié cette quête. J'ai complètement zappé cette quête-là. Je regarde si j'ai des cartes de trésor aussi à faire. Ah, l'expédition, ça y est. Attends, je trouve d'abord
l'endroit, c'est ici. On va d'abord plonger, on va voir ensuite. Je pense que je vais remettre les lunettes. Alors, plongeons. Bon, à part de la ferraille, on trouve rien d'autre, hein, décidément. Expédition, vise de chantier. Au vol, vous remerciez l'aimable aubergiste. Votre navire est prêt à lever l'ancre. Sur le quai, tous vous saluent et vous font signe de la main. Sans surprise, vous constatez plus tard qu'on vous a dérobé un précieux équipement. À vous de voir s'il y a un intérêt à faire demi-tour. 135% de chance de réussite. Si on fait demi-tour et qu'on pille le port. Allez. Justice expéditive. Les défenses ne font pas le poids. Votre navire s'ébranle paresseusement parmi les débris calcinés du port et braque ses canons sur la capitainerie. Prenez tout ce que vous voulez, implore l'officier du port. On continue. Bon bah parfait. Je vais un peu par là. Il y a quelques trucs à voir par ici. En passant par là. Ok. Cet endroit n'est qu'une suite de variables et d'inconnus. Alors. Il faudrait que j'ai donc du coup plus d'ouvriers. Donc normalement, c'est ici les ouvriers. Voilà. Sauf lui. Si, c'est bon. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors juste là, on va mettre des bosquets tempérés. Alors, pénurie de rhum à Azria Village. Oui. Bah c'est normal, je m'en suis pas occupée. On y va comme ça. Ou alors, il faudrait que je fasse une route de fret supplémentaire. Faut que je regarde si j'ai suffisamment de rhum. Est-ce que je peux faire une route de fret avec avec elle, par exemple? Créer une route. Par exemple, elle, je vais vider tout son caoutchouc. Elle a plus rien. Attends, c'est pas le même endroit. Non, elle vend du café maintenant. J'ai passé cette porte il y a une minute à peine. Quelle coïncidence. Ah, attends. Où est l'opaline? Déjà, où est le navire opaline? Sûrement au Cap Trelawney. Oh là là. La production s'est arrêtée. C'est pas possible, là, les bateaux. Les bugs que ça fait. Attends, j'avais ça que je voulais vendre. Commerce. Moi aussi, je suis un acheteur compulsif. Sinon, ce que je peux faire, attends. Parce que lui, il vend quoi déjà? Route, créer une route. Si je crée une route avec lui. Si, je peux faire des routes d'affrètement, hein. Mais je sais pas ce qu'ils vont en fait, attends. Ils vendent du caoutchouc. Des filaments. Des planches. La salpêtre. Des châssis. C'est abusé les bateaux là, les bugs que ça fait. Comment je peux retrouver mon bateau opaline, moi? Retournez la doublure d'un chapeau plein de graisse et ça fera comme si vous l'aviez lubrifié exprès. C'est pas Ondine.
C'est Ondine ou c'est Opaline? C'est Ondine. Ok, Ondine, ça, il a l'air d'être vide en tout cas. Donc attends. Du coup, si je fais une route de fret, je vais acheter du caoutchouc et je décharge et je lui achète des châssis et je lui achète des moteurs à vapeur et on va voir ce que ça va donner. Attends, j'ai un quatrième slot aussi. Qu'est-ce que je pourrais bien lui prendre? Des planches ou de la salpêtre? Voilà. Normalement, il devrait jamais être en manque, les PNJ, sur les ressources, enfin, je crois. Recoucou, Edric. Oh, Sephiroth, sois pas méchant. Enfin, un jeu intéressant. Il est super intéressant, Teamfight Tactique. C'est juste que tu n'aimes pas, c'est tout. Bah si, j'ai des lunettes, Sephiroth, tu vois, je les ai mises. Mais c'est juste que j'ai les yeux super sensibles ces derniers jours, là. Vraiment très 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 sensibles. Donc c'est un peu galère, c'est tout. J'ai beaucoup d'éclairage avec le fond vert. Mais si jamais ça continue de me faire mal aux yeux, je ferai comme tout à l'heure, j'enlèverai le fond vert et puis voilà. Alors là, j'ai un jardin botanique, donc du coup, je veux améliorer toutes les maisons qui sont ici. Et j'ai plus assez de bois. Alors attends, parce que je sais que je peux rajouter des modules. Alors je pense que je vais en mettre une comme ça. Alors déjà là, je peux mettre ça en légendaire. Voilà. Attrait plus 20%. Elle est là. J'ai gagné un bonus d'influence. Ouais, tu parles. L'exposition universelle, ça avance petit à petit. Ça m'apporte 10 de caoutchouc. En tout cas, on en a. J'aurais dû construire l'hôtel de ville plutôt. Ça aurait peut-être été mieux. Mais bon, c'est trop tard. J'ai mis ça déjà. Mais après, sinon, je peux commencer à faire la déco à l'intérieur du parc, mais. Vaut mieux que je trouve d'autres choses de l'expédition botanique à débloquer. Le sanctuaire de Délotrope, nanana. J'ai plein d'animaux. J'ai encore plusieurs labyrinthes végétales. Mais d'ailleurs, je peux. Voilà, c'est bon. Nouvel embellissement a été ajouté. Ok. Attends, je vais aller vendre les derniers PNJ qui nous intéressent pas. Genre tout ça. Attends, celui-là affecte les élevages. Main d'œuvre requise, moins 40%, je m'en fous un peu de ça. Ça, je m'en fous un peu. Ça, je veux la garder. Ça, je m'en fous. Et ça, je m'en fous. Par contre,
Productivité plus 50% dans les engrais chimiques. Ça peut peut-être être utile dans une des corporations. Faut que je regarde. Est-ce que j'ai bien celle-ci? Productivité plus 10%. Main-d'œuvre requise moins 30%, mais attrait plus 3. Coût d'entretien moins 50%, ça je m'en fous un peu. À la limite, vaut mieux que je fasse productivité plus 50%. Nombre de Les modules plus concurrents sont 25%. désormais en guerre. Ouais, je pense qu'il vaut Ces mieux que je fasse essais ont ça. expiré. À moins que j'aie une autre corporation ailleurs. Mais je crois pas. Tous à vos postes. Je crois pas, je crois pas. Pénurie de marchandises, y a pas assez de pommes de terre. Bah alors. On va refaire des pommes de terre si on n'a pas assez. Nécessite le voisinage d'un bâtiment. Bah tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais. Qu'est-ce que j'étais en train de faire à ton avis là? Voilà. L'expédition. Et c'est là où les yeux. Ça va pas du tout. Sauver les gens. Bon, le fond vert est pas dégueu si je laisse comme ça. La mutinerie. Le ciel est dégagé, la mer est d'huile et la mutinerie couve dans les rangs. La lassitude, les contraintes du rationnement, le danger et l'absence de reconnaissance ont fait leur œuvre. Il n'en faut guère plus à l'équipage pour franchir le pas de l'insubordination. C'est le charisme de leur chaplain qui les réunit et qui les détourne de l'autorité de leur premier lieutenant. Alors, 55% ici, 10% là, faire se rencontrer le lieutenant et leur chef officieux. Les deux hommes trouvent un terrain d'entente. Les exigences du chaplain sont compréhensibles, de même que les réticences du premier lieutenant. Ils se mettent d'accord pour parvenir à un meilleur équilibre des pouvoirs et une distribution plus équitable des provisions. Toutes les parties y trouvent leur compte. On va faire une petite route ici. On va mettre des petits bosquets là et là. Là, on va faire les jardinets à maturité. Ça prend forme. Ça prend forme, ça prend forme. Alors, est-ce que je pourrais rajouter des maisons par ici? Est-ce que j'en rajoute? Je pense que je vais refaire des dalles. Déjà ici. Ah, je peux pas aller plus loin que ça. Donc, il faut que je fasse une route comme ceci. Je vais refaire une dalle là. Autant faire une double dalle. Faire quelque chose comme ça. Et ensuite, est-ce que on rajoute des maisons? On va rajouter des maisons ici. Ça me semble pas mal. Comme ça. Après, j'ai pas mal d'espace par ici encore. Mais ce sera peut-être pour autre chose, peut-être pour des champs. Je pense que des champs, ça serait mieux. Alors, on va refaire des jardins par ici.
Alors peut-être pas une fontaine cette fois-ci, peut-être une statue. La statue, une statue de plongée. Une statue de plongée ici. Une statue équestre ici. J'essaie d'apprécier les gens un peu plus chaque jour. Moi aussi. Je crois que je vais juste faire comme ça. Je vais pas trop m'embêter. Ça rend pas si mal. Par contre, faut que j'améliore ici. En maison d'ouvrier. Là, ça peut rester en maison de paysan pour le moment. Là, il faut que ça soit amélioré aussi. Et là aussi. Ok. Ensuite, au niveau des ressources. Alors, du champagne, ils en ont pas assez. On est combien en champagne? ?540, Showmax. Showmax, ils en ont pas assez? Quelle est cette affaire? C'est étrange. Les cigares, ok, je comprends. Les cigares, il faut que je regarde dans le nouveau monde. Les cigares, j'en fais. Ça, c'est pas chez moi, déjà. Cigares, j'en fais ici. Là, les cigares, je vais regarder combien c'est. Nous n'avons plus de place. Il n'y a plus de place pour le café ici, déjà. Attends, j'avais mis en l'entrepôt. Alors, café 449. L'union fait la force. Ok. Alors, nouveau monde. Nanana. Voyons voir. Nouveau monde, ancien monde, ça, il n'y a plus besoin. A priori. Je vais refaire les cigares. Non, pas d'alliance. Attends, on est sur 6 slots ici en fait. On était sur 6 slots. Nouveau monde, ancien monde. Bon alors attends, je vais remettre les cigares. Et je vais remettre du café. Accepter, décharger. Attends. Cigare est en cours de chargement. Les réserves sont vides. Mais les réserves sont pas vides. C'est faux. Et on va faire le café, du coup. Accepter, décharger. Mais les réserves ne sont pas vides. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de cigares? Plaquage de bois, c'est les plaquages de bois que j'ai pas assez. Parce que les feuilles de tabac, je suis à 282. Ça, c'est largement suffisant. Il faut que je refasse une cabane de bûcheron. Alors là, il y a déjà tout ce qu'il faut. J'ai plus de place, hein. J'ai plus de place nulle part. Bon, je vais mettre ça par ici. On va mettre ça là. Avec l'entrepôt. Le cessez-le-feu a expiré. Du coup, ici. Ok.
On va relier à la route. Du coup, ici. Bon, ça n'est pas très droit. Oh, j'ai les yeux défoncés. La plupart du temps, j'en insiste tellement qu'on ose à peine m'approcher. Je vais remettre les lunettes, mais j'ai l'impression que ça fait rien. En plus, je vois flou avec les lunettes. Elles sont pas dégueulasses pourtant. Alors, déclaration de guerre, non, non, non. Oui, oui, j'expose une juste cause. J'ai pas envie que mes navires commerciaux soient niqués. Ça va être la merde sinon. Ah, l'expédition botanique. Oh, le bassin aride. Sur le chemin du point de rendez-vous, vos hommes tentent une incursion à l'intérieur des terres où l'eau se fait de plus en plus rare. Mais l'espoir ne se tarit jamais. Une rivière boueuse coule au beau milieu du bassin aride. Vos hommes exultent quand ils constatent qu'elle n'est pas totalement asséchée. Ferez-vous une halte pour faire le plein d'eau ou poursuivrez-vous? Alors, 30% là, 60% là. Cherchez la source de la rivière. Chercher la source d'une rivière, rien de plus facile. Mais en faire un raccourci, pour ça, il faut cogiter. Loin au-dessus du bassin asséché, l'eau cascade avec délice dans la ravine. Une invitation à la baignade qu'on ne saurait refuser. On continue. Ok. Si le fond vert fait trop dégueulasse, vous me le dites et je l'enlève. Hein. Alors... Monter à 40 000 habitants pour avoir plus 15 d'influence. Ou plus d'influenceurs. Réfléchissons. Je manque de main-d'œuvre ici. Beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de décoration aussi d'ailleurs. Des maisons là. Là, on va faire un petit parc. On va faire une petite zone comme ça avec 4 maisons ici, un petit parc. Pareil ici. Bon là, il faut que je garde de la place pour d'éventuels champs plus tard. On est pas mal. Vas-y, je vais faire la culture. Il me faudrait une capitainerie ici. Oh, attends, amarrage public. Capitainerie.
Je vais la mettre ici. Quand je pourrai. Pour augmenter l'attrait. Faisons un parc déjà ici. Alors, on peut faire un truc pour marchand de journal ici et un truc pour marchand de journal ici. Ah, j'ai l'arcade extérieure. Regardez. Attends. Ça a l'air nickel, ça. Par contre, ça ne se tourne pas systématiquement. Je vais y arriver. On va faire comme ça. Ça rend pas mal. Fait des petits bancs. Avec des petits palmiers sur le côté. Et une petite clôture de ville au centre. Comme ceci. Ou alors, au lieu de faire ça ici, je fais quelque chose comme ceci. Non, là ça bloque le passage si je fais ça. Faudrait que je fasse un T. Le thé, il est où? Il est là. C'est excitant. Un illustre personnage nous honore de sa présence. En fait, il faudrait que je fasse comme ça. Et je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, ils peuvent passer sur les côtés et à l'intérieur. Ok, ça c'est bien. Un prêcheur ou un prêteur, je ne sais guère. J'étais où là? J'étais ici, hein. J'étais par là. Je sais plus où j'étais. Non, j'étais par ici. En train de faire la zone ici de décoration. Parti, sauvegardé. Et du coup, palmier sur la longueur ici. L'île de vos concurrents a résisté à une attaque. Ok. La production, il est bon le fond vert. Tant mieux, parce que là, il est pas très très bien éclairé. Hein. Mais j'ai tellement mal aux yeux. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça, c'est les médicaments qui me font mal aux yeux. Je tiens à satisfaire tout le monde. Je crois que je vais juste faire ça, là. Je vais mettre les fougères au centre. Et puis... Je vais mettre des fleurs sur le reste. Ah, sauf que là, je peux pas. Attends. Arbuste en fleurs, si je peux, voilà. Comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Cette petite zone d'arrivée ici. Ça m'a l'air nickel. En termes de route commerciale, par contre. Donc le café, j'en ai rajouté. Faut que je regarde au Cap Trelawney, si c'est Cap Trelawney, il y avait un problème de cigare. Ingénieur, il n'y a pas de souci. Investisseur. Investisseur, il faut du coup... Alors, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi l'approvisionnement en champagne n'est pas suffisant. Parce que j'en ai trop, en fait. Pas de commerce, hein.
Pas de commerce sur le champagne. Je suis à 550. Ils me disent que... Je reste à 50%. C'est très très étrange. C'est vraiment bizarre.